de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Pendant 3 ans, Thomas a accompagné Jésus. Thomas a été un de ces témoins privilégiés de l'amour et de la miséricorde de son maître pour les enfants du Seigneur. Il a vu Jésus guérir, il a vu Jésus pardonner, toujours au nom du Père, au nom du Seigneur. Pourtant, aujourd'hui, Thomas ne peut pas croire en la résurrection. Il le dit à ses compagnons, il a besoin de croire, de constater par lui-même que Jésus a bien été le vainqueur de la mort, qu'il est ressuscité. Bien sûr, quand nous entendons ces paroles de Thomas, nous pensons à ces personnes que nous connaissons et qui sont dans la même situation. Elles voudraient bien croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mais elles ne peuvent pas constater par elles-mêmes la puissance de son amour. Peut-être que comme Thomas, ces personnes sont encore aveugles, aveugles aux miracles que Dieu fait dans leur vie chaque jour, un miracle d'amour, de compassion et de pardon. Oui, le Seigneur est à nos côtés comme il est aux côtés de Thomas, mais nous avons encore du mal à l'apercevoir. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux à la grandeur de son amour, à sa simple présence à nos côtés chaque jour. Le Seigneur n'est pas lointain, il n'est pas caché dans le ciel, il ne veut que se révéler à nous, mais pour cela, il a besoin avant tout de notre confiance, de notre désir véritable de le rencontrer. Amen.